le Maroc s'engage depuis de nombreuses années en matière de développement durable, de protection de l'environnement et de lutte contre le changement climatique. La contribution déterminée du Maroc, NDC au niveau national, trouve son ancrage institutionnel dans la Stratégie nationale du développement durable, la SNDD, opérationnelle fin 2017, qui esquisse une vision du Royaume à l'horizon 2030 et s'inscrit dans une perspective intégrée au-delà même du changement climatique. Cet engagement se concrétise à travers des programmes et des actions qui visent l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de ses effets. NDC Maroc, c'est 55 actions, 24 inconditionnelles et 31 conditionnelles au financement extérieur, qui visent notamment à faire baisser les émissions de gaz à effet de serre de 42% à l'horizon 2030 et qui correspondent à une estimation financière de 50 milliards de dollars. Dans le cadre de son engagement international sur la transparence, le Maroc, avec l'appui de la GIZ, a mis en place un système national d'inventaire des gaz à effet de serre, engageant tous les secteurs à communiquer régulièrement leurs émissions. Pour une bonne mise en œuvre de cette contribution, le Royaume s'est doté, à travers la SNDD, d'un instrument légal et opérationnel avec un comité de pilotage assurant une bonne gouvernance. Parmi les nombreux domaines d'intervention, certains font l'objet de programmes ambitieux. Le solaire, avec des opérations comme Nour, à Ouarzazate, l'éolien et ses champs de Tantan, d'Essaouira ou encore de Koudiat El Bayda, la généralisation du traitement et de la valorisation des déchets, ou encore le développement de stations de traitement et de réutilisation des eaux usées et purées. Le souci constant de mobilisation et de protection de la ressource en eau se concrétise dans la réalisation accrue de retenues à travers le pays, le développement de l'irrigation localisée et l'adaptation des types de cultures aux conditions géographiques et climatiques, en particulier dans les milieux oasiens. Enfin, le choix des transports propres est affirmé à travers de nouveaux réseaux de tramways dans les grandes villes et l'apparition de bus électriques. La réalisation de la NDC s'appuie sur des outils financiers adaptés et en cours de diversification comme le Fonds vert climat, à travers l'accréditation de l'Agence de développement agricole et CDG Capital, les instruments financiers comme les Green Bonds émis par Mazen et des institutions bancaires comme la BMCE Bank et BCP. Bank El Maghrib a aussi investi 100 millions de dollars dans des obligations vertes émises par la Banque mondiale. Par ailleurs, la feuille de route marocaine du secteur financier, présentée à la COP22, est un véritable engagement pour une finance durable. Le Maroc s'est également engagé à éliminer progressivement les subventions aux combustibles fossiles et a approuvé le communiqué des Amis de la réforme des subventions aux combustibles fossiles. Soutenu par le programme de partenariat pour la préparation au marché de la Banque mondiale, le Maroc développe actuellement des scénarios pour la tarification du carbone et la mise en place d'un marché national du carbone. Cet engagement a été souligné et tenu en 2015 à Marrakech, qui a abouti à la déclaration de Marrakech sur le prix du carbone par les ministres africains de l'environnement. Aujourd'hui, par son engagement pour le climat, le Royaume est un exemple qui, s'il était suivi par tous, au même degré, en fonction des capacités respectives, permettrait de limiter la hausse de température à moins de 1,5 degré. La tenue, en parallèle de la COP22, du sommet des chefs d'État africains pour le climat à Marrakech, a encouragé la mobilisation des partenaires continentaux et impulse une dynamique de coopération sud-sud. Des initiatives spécifiques ont été prises sous l'impulsion du Royaume du Maroc relative au groupe Sahel, avec la problématique des espaces fragilisés par les conditions de désertification et de sécheresse, au bassin du Congo, avec la mobilisation et la protection des ressources en eau, et au triple A, adaptation de l'agriculture africaine. Le Maroc vise à entraîner de nombreux pays d'Afrique dans un mouvement de mobilisation et d'engagement collectif. Pour cela, le Maroc, co-président de l'initiative de partenariat pour la mise en œuvre du NDC, la NDC Partnership à l'échelle mondiale, met en partage son expérience, son savoir-faire et son engagement politique à l'international, et plus particulièrement au service du continent et des pays du Sud.